Évidemment, une année après le grand bouleversement que nous avons connu le 14 juillet 2011, il n'est toujours pas facile de mettre de l'ordre dans ces événements et dans le sens de ce grand événement. C'est-à-dire que, après un demi-siècle d'autoritarisme politique, qui s'est transformé par moments carrément en dictature politique, nous nous trouvons d'un coup envahis par une nouvelle réalité où il y a deux mouvements contradictoires et les deux sont difficiles à assumer, un mouvement d'écroulement total et un mouvement et un besoin et une nécessité de reconstruction. Donc ce sont deux mouvements stressants qui nous donnent un paysage de chantier chaotique par moment et qui, dans l'attente d'une décantation, engendre nécessairement ou implique nécessairement des difficultés sur les paramètres d'analyse et de réflexion concernant cette situation. Cependant, de ce chaos même, il faut bien essayer de tirer certaines choses au clair. Et il faut obliger l'esprit à une certaine lucidité qui, à la fois, peut être une thérapie apaisante aussi pour nous dans cette situation qui est vraiment stressante pour nous. Bon, vous allez m'objecter peut-être que la situation n'est pas aussi difficile que j'ai l'air de le dire et que vous-même, vous êtes passé après le franquisme par une situation aussi difficile et aussi dure. Mais c'est oublier que ce qui s'est passé chez vous est arrivé dans un environnement occidental, ceinturé, si je peux dire, par une épaisseur démocratique qui a quand même 2 siècles à peu près de vie. Ce qui est très important, ce qui est une nuance ou une différence très importante, parce que ce qui nous arrive à nous, il arrive dans une région qui a été au moins pendant 50 ans, si je ne compte que la période nationale postcoloniale, 50 ans, elle a été réfractaire au processus universel de démocratisation. Et c'est une différence très, très importante qui implique toutes les difficultés que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors, je remarquais de par quelques discussions avec vous que l'information ne passe pas tellement entre la Tunisie et l'Espagne. C'est-à-dire que vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe et qu'il y a quand même une certaine distance entre nous. Elle est due peut-être à une certaine distance culturelle ou historique. C'est-à-dire que quand je compare avec la France, notre ancien colonisateur, je trouve que les gens accèdent plus à l'information concernant la Tunisie. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous raconter la révolution tunisienne avant toute chose. C'est presque, je dirais, si je peux utiliser de l'humour noir, c'est un conte de feu, parce que ça a commencé avec le feu, mais par la suite, c'était un conte de fées et actuellement, il se transforme par moments en conte cauchemardesque. Ça, je peux le dire et je peux l'assumer. Tellement c'est chaotique et c'est tellement c'est dur. Alors, le 17 décembre 2010, Bouazizi, qui est très représentatif de cette masse de jeunes qui sont au chômage, et nous en avons 700 000, ils arrivent actuellement à 800 000 chômeurs, dans une population qui dépasse à peine 11 millions. C'est énorme. Donc, pour des raisons d'humiliation, de chômage, de marginalisation, etc., ils s'immolent par le feu. La révolte, cet acte se transforme en révolte qui touche toute la partie centre-ouest de la Tunisie. La révolte gagne toute la Tunisie entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011. Le 14 janvier 2011, une manifestation gigantesque, énorme, envahit la place principale de la capitale, l'avenue Habib Bourguiba. Il y avait des milliers de Tunisiens
qui sont descendus dans la rue pour dire à Ben Ali, dégage, dégage. Et dans un mouvement de main, comme une symphonie, une synchronisation, un mouvement céleste, dégage, dégage. Et vers la manifestation a commencé vers 10h du matin, entre 15h et 14h de l'après-midi, nous avons su que Ben Ali s'est enfui. Alors, jusque-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que Ben Ali s'est enfui parce qu'il ne contrôle plus le pays, parce qu'il a été convaincu qu'il a perdu le pouvoir, c'est-à-dire à cause des émeutes et à cause de cette grande insurrection, ou parce qu'il y a eu des forces qui restent pour nous jusqu'à maintenant occultes, qui l'ont fait dégager? En tout cas, c'est peut-être les deux. Nous savons qu'il y a une partie de son gouvernement qui a participé à sa fuite. Il y a une partie de la police, il y a l'armée, mais nous n'avons pas les détails de l'histoire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui s'est passé exactement. En tout cas, il s'est enfui. Vide au niveau du pouvoir. Comment faire? Très grave. Le pays est en émeute, la police charge contre les manifestants, il y a eu 300 morts, 300 martyrs, comme on dit, pour la révolution. Un vide, comment faire? Eh bien, je peux vous dire que tout de suite, cette révolution tunisienne a trouvé sa voie de rationalisation et qu'elle a décidé de se faire par la loi. Il y a l'article 56 de la Constitution qui dit qu'en cas d'absence du président de la République, le Premier ministre peut assurer l'intérim. Dans la nuit du 14 janvier, nous avons eu ce scénario qui nous a fait très très peur, parce qu'il ne dit pas le vide au niveau du pouvoir, il dit absence du président. Pour nous, absence, ça veut dire qu'il peut y avoir une présence après. Donc nous avons passé une nuit terrible, parce que pour nous, Ben Ali pourrait revenir. Mais le lendemain, les choses se sont arrangées encore un peu plus. Nous ne savons pas jusqu'au jour d'aujourd'hui comment cela s'est passé. Mais on a activé l'article 57 de la Constitution qui stipule que dans le cas de vide au niveau du pouvoir, c'est le président du Parlement qui prend l'intérim présidentiel. Là, nous étions plus rassurés sur notre révolution. En tout cas, nous avions su d'une manière sûre que Ben Ali ne reviendra plus. Bien évidemment, il y a eu un moment d'anarchie. Un premier gouvernement provisoire mené par l'ancien Premier ministre de Ben Ali, qui tombe tout de suite quelques jours après, parce qu'il y avait trop des figures de l'ancien gouvernement dans ce gouvernement provisoire. Il tombe sous pression populaire. Reconstitution d'un deuxième gouvernement dans une semaine, qui tombe quelques jours après aussi, parce que les gens n'étaient pas contents de la composition de ce gouvernement. Parallèlement, se constituait ce que on a appelé le comité de sauvegarde de défense de la révolution. C'était des gens de gauche, d'extrême gauche, des islamistes, des syndicalistes qui se sont réunis par quartier pour sauver la révolution, mais c'était quand même une organisation un peu risquée, parce que personne ne pouvait contrôler ces comités de révolution. Alors, tout de suite après, on a trouvé la bonne voie, si vous voulez. Convocation d'un troisième gouvernement provisoire mené par un ex-ministre de l'époque de Bourguiba, cette fois-ci, un avocat qui a 86 ans, qui a formé un gouvernement de technocrates. Il y a des Tunisiens qui avaient des postes extraordinaires à l'étranger, en France, qui ont fait les grandes écoles, etc., qui ont tout laissé, femmes, enfants, boulot, etc., et qui sont accourus pour faire partie de ce gouvernement. Et parallèlement, il y a eu cette invention extraordinaire, la haute instance pour la réforme politique, la transition démocratique et la réalisation des objectifs de la révolution,
Donc, elle a eu une composition consensuelle, elle était composée, donc son président était nommé par le gouvernement, c'est un grand juriste, monsieur le professeur Iyad Ben Achour, qui était président de cette commission, nommée donc directement par le gouvernement, composée des partis politiques qui avaient existé du temps de Ben Ali, qui ont lutté contre la dictature de Ben Ali, le représentant de la société civile qui va des associations des femmes jusqu'aux associations de droits de l'homme, etc. Des personnalités de l'UGTT, la principale formation syndicale, des personnalités politiques nationales, démocratiques, indépendantes, des représentants des régions qui ont fait la révolte et des familles des martyrs. C'était une très très belle composition et le rôle de cette haute instance était de surveiller le gouvernement et de coopérer avec le gouvernement, mais aussi de mettre tout l'arsenal législatif et politique pour assurer cette première phase de transition qui va nous mener aux élections du 23 octobre 2011. Donc c'était une phase je peux dire une phase réussie, et c'est une phase qui a traduit la première fraîcheur de cette révolution tunisienne. Il y avait tout le monde, les choses marchaient sur une base consensuelle, tout le monde avait compris que la transition ne peut se faire que sur une base consensuelle et que le conflit ne peut pas mener la transition. Mais ça, c'est pour les événements. Pour le côté théorique de tous ces événements, on peut tirer deux idées essentielles. D'abord, que cette révolution était quand même, ou elle s'est déclarée quand même, sans avoir de direction, sans avoir de leadership et sans avoir d'origine intellectuelle. Il n'y avait personne derrière cette révolution, elle s'est faite d'une manière très spontanée. Alors, si on veut penser au pourquoi de cela, de ces phénomènes, moi je peux avancer l'explication la plus simple, et que la dictature a empêché toute forme d'organisation et toute forme de lien entre les masses et les élites politiques. Ben Ali avait mis son siège autour de chacun et autour de tout le monde. Il a court-circuité toute tentative de lien entre les partis politiques, parce qu'il était obligé quand même à accepter un certain pluralisme politique, mais qui était factice, complètement factice. Les partis politiques étaient là, les associations de la société civile, une bonne partie en tout cas était là, la Ligue des droits de l'homme, l'association des femmes démocrates, des associations contre la torture, etc. Mais elles étaient assiégées et elles ne pouvaient à aucun moment, elles n'ont pu faire le lien avec les masses. Donc les masses, finalement, Ben Ali était tombé dans son propre jeu et il s'est trouvé face à face avec les masses, et donc son issue sa fin était préparée par lui, si l'on peut dire de cette manière. Alors, ça pour l'explication. Mais pour les implications de cette situation, parce qu'il y a des conséquences de cette situation, et qu'une révolution sans leadership et sans origine intellectuelle et ligne politique claire est aussi une voie ouverte à toute forme de récupération. C'est pour cela que je dis que la haute instance que nous avons créée a joué un rôle sauveur, si l'on peut dire, de cette révolution tunisienne pendant ses premiers moments, en tout cas pendant sa première phase de transition. J'arrive maintenant à la deuxième phase cruciale pour cette révolution, qui sont les élections du 23 octobre. Alors, nous avons, dans la haute instance, été d'accord, et sur un plan consensuel, pour la forme du scrutin de liste à la proportionnelle, avec les forestes. C'est une forme de code électoral qui, en principe, donne des chances aux petits partis, parce qu'on était dans une situation très déséquilibrée. Nous savions que le parti islamiste était le parti le plus organisé. Et
à la proportionnelle aussi, parce que c'est la forme qui reflèterait peut-être plus le paysage politique du pays. Le code électoral dit aussi qu'il est interdit, il a pris toutes les précautions, qu'il est interdit d'utiliser les mosquées pour des fins politiques. C'est-à-dire que nous avions conscience de ce qui va, de ce qui allait arriver. Mais rien n'a été respecté sur ce plan. Pendant les élections, pendant la campagne électorale, les mosquées étaient utilisées par le mouvement islamiste pour faire 5 meetings par jour pendant les 5 prières. Donc c'était déjà un avantage énorme pour les islamistes qui n'avaient pas respecté cela et qui auparavant avaient cassé le consensus au sein de la haute instance vers le mois de mai. Pourquoi vers le mois de mai? Parce que c'était le moment où nous avons commencé à discuter de la loi sur les partis politiques et que dans cette loi, il y a une partie sur le financement des partis et sur la nécessité de la transparence des sources de financement pour tout parti politique. Et pour ne pas voter cette loi, le parti islamiste a quitté la haute instance et a annoncé son retrait définitif de la haute instance pour le mois de mai. Donc il y avait des choses qui se préparaient déjà depuis le mois de mai 2011. Alors, le résultat pour ces élections est que il y a eu, dans cette euphorie révolutionnaire, pour une population de 11 millions d'habitants, un corps électoral potentiel de 7 millions, mais un corps inscrit de 4 millions et demi seulement. Il y a eu 1500 listes, donc effritement affreux qui a eu des implications néfastes, mais vraiment néfastes pour ce qui va venir. Alors, les islamistes ont eu 1,5 million sur les 4,5 millions d'électeurs. Mais parallèlement à cela, il y a eu, vu donc la liste, le scrutin de liste à la proportionnelle, 1,5 million de voix qui étaient données aux forces démocratiques, mais qui sont jetées à la poubelle parce qu'ils n'avaient donné rien, parce qu'ils se sont présentés dans l'éparpillement et dans l'effritement. Donc, pour la réalité du pourcentage réel des islamistes, ils sont montés avec 17% des voix du corps électoral entier, global, c'est-à-dire par rapport aux 7 millions, je ne parle pas des 4 millions et demi. Pour les 4 millions et demi, ça leur donne plus de 30%. Donc c'était le parti majoritaire. Électoralement, c'était le parti majoritaire. Alors, j'arrive maintenant pour ce qui concerne les femmes dans cette opération électorale. Dans la haute instance, nous avons pu passer, et ça je ne regrette pas, même si ça n'a pas donné de résultat, nous avons passé un article sur la parité obligatoire des femmes, la parité entre hommes et femmes, sur les listes avec l'alternance obligatoire, hommes-femmes, parce que c'est un scrutin à la proportionnelle pour donner plus de chances aux femmes d'être représentées dans cette constituante, parce que les élections se faisaient, j'ai oublié de le dire, pour une constituante, pour une assemblée nationale constituante. Mais nous avons pu faire passer ça dans la difficulté au sein de la haute instance, parce qu'il y a eu de la résistance, pas de la part des islamistes. Les islamistes savaient qu'ils pouvaient assurer cette parité sur leur liste. Elles avaient beaucoup de femmes dans leur rang, pas de femmes dirigeantes, mais de femmes militantes dans leur parti. Donc, ils ne se sont pas opposés au principe de la parité. Ceux qui se sont opposés au principe de la parité, ce sont les petits partis et les petites forces, parce que elles ont dit, parce que c'est une parité obligatoire. Obligatoire signifie que une liste qui ne se présente pas dans la parité est refusée par la loi. Donc,
Ils nous ont dit qu'ils vont trouver des difficultés, surtout dans les régions où la mixité politique était très très faible, de ne pas pouvoir assurer des listes paritaires. Mais quand même, nous savions le risque, mais nous nous sommes dit, pour une première fois, on ne peut pas trahir les femmes, au moins sur le plan du principe, et on va quand même continuer à lutter pour cette question de parité. La parité, donc le principe est passé, mais nous n'avons pas pu faire passer la parité obligatoire au niveau des têtes des listes, qui pourraient, elles, par contre, assurer un pourcentage important des femmes à l'Assemblée constituante. Donc, résultat, 1500 listes, plus de 6000 femmes candidates sur ces listes, mais seulement 110 femmes têtes de liste, 110 sur 1500 listes, ce qui donne un pourcentage de 7% de femmes têtes de liste. Donc, résultat, si vous voulez, sur le plan concret, nous avons 52 femmes sur une assemblée constituante qui compte 217 membres, 52 femmes, dont 42 sont islamistes. Elles sont 42, pourquoi ? Parce que la proportionnelle et l'alternance obligent, donc elles étaient, bien évidemment, le parti islamiste n'a eu que 1% de tête de liste femmes, mais il a eu 42% de femmes dans la constituante, ce qui a fait dire à un journaliste avec humour, le parti islamiste a accepté la parité, mais en deuxième rang. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici sur un plan théorique, si l'on peut dire, et sur un plan politique concernant le problème des femmes par rapport à ces élections? Moi, je peux dire que nous avons essuyé un revers électoral en tant que femmes dans ces premières élections et que cela a réduit nos chances de participer à cette expérience fondatrice de la démocratie en Tunisie. C'est un problème, c'est un gros problème pour nous. Nous en tirerons certainement les leçons pour l'avenir, mais le résultat est déjà là. Voilà pour ce qui concerne les élections. Plus grave encore pour nous est que ce revers n'est pas seulement électoral. Le revers existe pour les femmes au sein même de la société tunisienne. Il est reflété par le triomphe du parti islamiste. Parce que ces élections, comme je l'ai dit, sont arrivées dans la partie du monde ou une des régions du monde qui ont été les plus réfractaires au processus de démocratisation universelle. Mais elles sont arrivées aussi avec la révolution dans un moment où la société tunisienne était traversée par un mouvement et une tendance à la traditionnalisation qui dure depuis au moins une décennie. Depuis une décennie, il y a une offensive, il y a eu une offensive wahhabite, si je peux dire, via les moyens de communication le plus avancés et le plus sophistiqués, à savoir le télé-satellitaire et à savoir Internet. Donc, il y a un discours religieux sur lequel vivait la société tunisienne, mais aussi, et peut-être beaucoup plus, la société égyptienne aussi, un discours qui se résume dans une volonté de théologiser les rapports entre les sexes, les rapports entre les individus et les rapports entre la société et le pouvoir. Nous avons vécu au quotidien pendant au moins 10 ans cette réalité et cette hégémonie. Enfin, finalement, c'est une hégémonie culturelle qui s'est installée et qui a réussi, qui a été initiée par un islam qui ne s'appuie sur aucune culture, qui, dès ses origines, était désincarné par rapport à toute culture, un islam bédouin, un islam très littéraliste et très simpliste, en l'occurrence celui qui vient de l'Arabie Saoudite et des pays de Qatar. Mais ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont les moyens de communication, ils ont le Jazeera qui a promu les révolutions, mais
derrière cela qui a promu surtout les islamistes pendant cette révolution, parce que les islamistes, et ça il ne faut pas oublier de le dire, étaient absents, absolument absents de cette révolution et des premiers moments de cette révolution. Ils étaient absents physiquement dans toutes les émeutes connues par la Tunisie, dans toutes les régions de la Tunisie. Ils étaient absents le 14 janvier dans cette grande manifestation qui a rassemblé des milliers de personnes et de citoyens tunisiens. Ils étaient absents politiquement parce qu'ils n'ont fait aucune déclaration sur la révolution tunisienne ou pour faire signe qu'ils étaient là et qu'ils approuvent cette révolution. Au contraire, leur chef, leur dirigeant, le dirigeant du parti islamiste, a même fait des déclarations considérant que les discours, les derniers discours de Ben Ali, qui, à travers lesquels il a essayé de récupérer la situation, ils ont vu d'un bon œil, ils ont dit qu'il positive le discours de Ben Ali. Mais voilà, malgré tout cela, ils sont au pouvoir et la situation actuelle, ils sont au pouvoir, leurs femmes sont au pouvoir, ça il faut le dire, mais 42 femmes dans la constituante sont là au nom du parti islamiste et bien évidemment on ne peut pas compter sur eux pour promouvoir la cause des femmes et la question de l'égalité entre les sexes. Au contraire, elles sont là et elles l'ont dit, elles l'ont montré dès le premier moment à reproduire, si vous voulez, le discours machiste de leur parti. Un membre constituant, femme, pharmacienne de profession, qui s'est présentée sur les listes de la Nahda en disant qu'elle était sympathisante, mais très très proche, elle est même fait partie du parti Nahda islamiste, qui en signe soi-disant d'ouverture de ce parti n'est pas voilée, a fait des déclarations dès le premier moment après les élections à la radio Monte Carlo sur les femmes célibataires, disant que c'est une infamie pour la morale tunisienne et que l'État tunisien n'a pas à prendre en charge ces femmes célibataires ni leurs enfants. Elle a persisté et signé dans une autre déclaration pour dire que la CEDAW, la loi, la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de ségrégation contre les femmes, n'est pas conforme à la culture et à la culture islamique du peuple et de la nation tunisienne. Voilà le discours promu par l'une des femmes les plus ouvertes, soi-disant de ce parti islamiste au pouvoir. Alors, maintenant, dans la situation actuelle, nous avons le parti islamiste au pouvoir avec soi-disant deux alliés. La Troïka, qu'on appelle la Troïka. Il y a un parti à tendance plutôt nationaliste arabe qui est en deuxième position et un autre parti qui est libéral et démocratique d'ailleurs. Son président est membre de l'Internationale socialiste, mais qui sont en alliance factice, je dirais, avec le parti Nahda. Pas factice dans le sens de l'alliance, elle est réelle, mais factice en tant que acteur influent et actif et autonome dans cette alliance. Ils sont assujettis à la politique du parti majoritaire qui est le parti islamiste par rapport à toutes les questions. Alors, ce parti est au pouvoir depuis octobre. Il a mis 2 mois pour faire la petite constitution qui règle le rapport entre les pouvoirs, les différents pouvoirs. Ils ont déshérité le président de toute prérogative, pratiquement parce que le président est du parti CPR, qui est le deuxième parti. Le chef du gouvernement est un des anciens leaders du parti islamiste, Hamad Ijbel. Ils sont en train, depuis 6 mois maintenant, de reproduire le schéma classique de la fusion entre parti et État. C'est-à-dire que pour eux, la démocratie, c'est les élections et sans plus. Ce n'est pas l'état de droit,
C'est pas la séparation entre les différentes institutions de l'État. Ils sont en train de replacer, de mettre leurs hommes un peu partout dans les rouages de l'État. Ils ont fait des tentatives très graves d'assujettir les médias et la presse, parce que pour eux, la presse doit être à la solde du gouvernement. La presse ne doit pas exprimer de position critique par rapport au gouvernement. Ils ont organisé un sit-in autour de la télévision nationale qui a duré plus d'un mois. Des gens qui sont installés sous des tentes pendant plus d'un mois, qui insultent les journalistes à chaque fois qu'ils entrent ou qu'ils sortent de la télévision nationale, leur disant qu'ils sont représentatifs de la télévision de la honte. La télévision de la honte. Ils ont fait toutes les manœuvres pour assujettir donc la presse et les médias, mais ils n'ont pas réussi, et ça c'est bien, la presse reste quand même solide en Tunisie. C'est-à-dire que nous savons que d'après les paramètres de la transition démocratique, il y a trois phases par lesquelles il faut obligatoirement passer. Il y a la phase de libéralisation, nous l'avons vécu, il y a encore des vestiges de cette phase de libération. Il y a la phase de transition et puis il y a la phase de la consolidation de la transition démocratique. Or, un parti islamiste au pouvoir a l'air, en l'occurrence le nôtre, a l'air maintenant de consolider ses positions au sein de rouages de l'État au lieu de consolider les règles de la démocratie. Voilà. Je voudrais quand même dire quelque chose d'un phénomène qui est encore plus grave que tout cela. C'est le phénomène des salafistes. Les salafistes, le salafisme est la version la plus simpliste, la plus littéraliste, la plus passéiste de l'islam. Ils sont encouragés par l'Arabie Saoudite, bien évidemment, partout où il y a l'islam, y compris l'islam qui se trouve en Europe. Vous en avez beaucoup, vous en fabriquez beaucoup, ou vous laissez en fabriquer beaucoup, et ils sont en train d'être exportés vers nous de plus en plus. Ils sont, en ce moment, ils ont bénéficié de l'amnistie générale, promue d'ailleurs très très vite pendant le premier ou le deuxième gouvernement. Il y en a qui ont eu leur visa de parti, il y en a auxquels on a refusé le visa, notamment les salafistes et djihadistes qui sont violents et qui réclament leur attachement aux moyens violents pour changer la société et même vis-à-vis aussi du rapport à l'Europe. Ces salafistes ont commencé à abuser de la situation depuis la montée des islamistes au pouvoir. Ils ont essayé même dans quelques villages de la Tunisie, notamment au nord de la Tunisie, d'instaurer ce qu'ils appellent la principauté salafiste. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'ils ont essayé d'instaurer la loi de la charia sur les citoyens tunisiens. Par exemple, en attrapant un voleur, ils ont essayé de lui couper la main pour instaurer la loi charaïque. Et ça s'est passé comme ça. Et la presse a dénoncé donc tous les abus qu'ils sont en train de faire contre la société, mais le parti Ennahda, le parti islamiste, a toujours essayé de minimiser leur présence, de minimiser la nuisance qu'ils sont en train de faire à la société tunisienne, et qu'ils ont fait des déclarations même disant que ces gens ne viennent pas de la planète Mars, c'est-à-dire qu'ils sont nos enfants et que nous devons les comprendre et essayer de dialoguer avec eux, alors que ce qu'ils sont en train de faire, et notamment en attaquant les libertés académiques en Tunisie, et je racontais ça à plusieurs de mes amis, ils se sont implantés dans l'une des facultés à Tunis, la faculté des lettres et des arts de la Manouba, depuis le mois de décembre. Ils ont fait un sit-in. Pourquoi ? Pour imposer que les filles qui portent le niqab, le tchador ou le voile intégral aient le droit d'être en classe avec le niqab. Bien évidemment, les conseils scientifiques de cette institution
C'est-à-dire, sans entrer dans les considérations théologiques, religieuses de ce comportement, a tout simplement dit que pédagogiquement, il n'est pas possible de communiquer avec quelqu'un dont on ne voit pas le visage. On demande tout simplement à ses filles de se découvrir le visage au moins pendant le cours. Mais ça n'a pas marché. Les revendications de ces gens-là, qui continuent à être à la faculté, étaient au début donc d'imposer que ces filles gardent leur niqab pendant le cours, que les enseignantes femmes n'enseignent plus aux étudiants hommes et que les enseignants hommes n'enseignent plus aux étudiantes femmes, c'est-à-dire une non-mixité systématique, et qu'on leur dispense un lieu, une salle pour la prière au sein même de la faculté. Le doyen a concédé la troisième demande, ils ont eu leur salle de prière, mais le conseil scientifique n'a pas concédé sur les deux premières revendications, et le conflit continue jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que le doyen de cette faculté a été agressé par une des étudiantes qui a refusé d'enlever son niqab, qui a été traduite devant le conseil de discipline. Elle l'a agressé dans son bureau, elle l'a agressé verbalement, elle a éparpillé tous les dossiers qui se trouvaient sur son bureau. Un de ses collègues qui se trouvait à l'extérieur a lancé une pierre mortelle qui a traversé les vitres du bureau du doyen et qui est passée devant son visage. Et quand il est sorti pour porter plainte contre ce qui se passe dans un lieu de l'État et un lieu du savoir, c'est elle qui est allée porter plainte, qui s'est débrouillée un certificat médical disant qu'elle a été agressée et que son état demande 10 jours ou je ne sais pas exactement, peut-être 15 jours de repos. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la plainte du doyen n'a pas vu le jour, et sa plainte à elle est passée, et le doyen a été convoqué devant les tribunaux le 5 juillet. Il est passé devant le tribunal, l'accusation a été alourdie par le procureur général et ils ont ajourné la date pour prononcer le verdict pour le 25 octobre. C'est pour dire que, et bien évidemment, le gouvernement il n'était pas observateur seulement de cela, il est complice de tout cela, parce que quand on voit qu'il y a deux poids et deux mesures, qu'il y a une institution universitaire qui est menacée par une présence extérieure à l'université même, parce que c'est des garçons qui n'appartiennent pas à la faculté et qui sont venus avec leur matelas pour squatter le hall du bureau du doyen pendant des mois et des mois, et qui menacent ce doyen tous les jours, qui menacent leurs enseignants, les enseignantes et les enseignants tous les jours, sans que le ministre de l'enseignement supérieur accepte de faire quelque chose contre ces gens qui touchent à l'ordre public. C'est-à-dire qu'il fallait appliquer tout simplement la loi contre ces gens qui sont en infraction par rapport à la loi et par rapport à la loi qui sauvegarde l'ordre public. Les salafistes se trouvent partout dans le pays, ils agissent partout dans le pays. Le gouvernement islamiste dit qu'il est innocent par rapport au lien qui peut le lier à ces islamistes, mais quand nous réfléchissons à ce qui se